Bon, ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvé sur ce petit jeu qui est Dark Forces. Hop, voilà. Donc on avait fait trois missions déjà. Fest, on ne devait pas l'avoir fait. Je me souviens avoir été bloqué dans les égouts, ça devait être Anoa'at et Fest, tu devais être bloqué aussi. Je ne sais plus. Bah du coup on va tenter de se débloquer, ce qui n'est pas sûr du tout. Je sais pas bah, déjà comment c'était débloqué des égouts. Mais bon. Alors, contexte, c'est bien Moff Rebus qui a conçu le prototype de l'arme des Dark Troopers. Ce n'est pas en l'interrogeant que nous avons pu le faire parler, mais dans l'un de ses délires, il a fini par avouer, il fallait voir les résultats de nos tests sur Fest. Mes armes vont trouer la cervelle de plus d'un de ces maudits rebelles, je vous le dis. Krixmadin a confirmé l'existence d'un site de recherche impériale sur la planète Fest. L'Empire effectue des recherches métallurgiques pour trouver de nouveaux alliages. Si nous pouvions découvrir quels métaux ils utilisent, nous en saurions déjà beaucoup plus sur les Dark Troopers. La mission, je vais vous laisser en haut d'une rampe d'atterrissage désaffectée à l'extérieur de la base, plutôt en retrait. Cette base est entourée de récifs montagneux. Attention, un pas de travers et vous plongez droit dans un cratère. La base elle-même est enterrée dans un rocher. Pour y pénétrer, vous pourrez passer par la porte de devant, mais l'accès est gardé en cas d'attaque. Vous devez donc trouver un autre moyen qui vous permettra d'entrer plus facilement. Lorsque vous aurez rempli votre mission, venez me rejoindre, je vous attendrai exactement là où je vous aurai laissé. Pour le reste, vous faites comme d'habitude, débrouillez-vous tout seul. Objectif, donc infiltrer la base ennemie et ramasser les échantillons métaux qui restent. Le test. Et retourner sur la piste d'atterrissage. Ok. Faut qu'on aille chercher des échantillons. Et revenir sur la piste d'atterrissage. Je sais plus comment on met la division d'options. De toute façon, ça doit pas être très utile. Transport spécial. Accéléré, ok. Donc la rampe d'atterrissage est là. On est où là? Ah ouais, je me souviens bien que je suis là. On va garder ça. Parce que je me souviens que j'avais été perdu là-dedans. Et pour sauter, ça. Tac-tac-tac. Me voilà, arrêtez-le. On garde la map parce que. C'était le bordel, il me semble. Pourquoi là c'est en jaune? Derrière un truc là-haut. Bon, on va regarder vers le haut. Ou alors c'est parce que c'est Eric. Bon, je sais pas. Bref, donc là on vient. Ah bah, je vais pas ramasser son truc. Là on peut aller soit par là-bas. Soit là. On va essayer de pas mourir. Hop. Il y a du bois. Hé, hey, toi, t'as pas de plus et tu es mort! Ok, tu as un ici. Là. Par là. Ok, on ne pourra jamais y aller. Ah d'accord, lui il était là. Il a une arme sympa, non? Ok, donc là je suis ici. Hein. D'accord. Je ramasse un détonateur. Oh! C'est qui m'a dit là-dessus? Bon bref. Tac tac tac, faut que je fasse gaffe à... À pas tomber dans le vide, donc là c'est bon. Au contraire, ça on va suivre. Bon, on est tombé dans un trou, mais heureusement, on peut mourir. On n'est pas tombé dans un trou qu'il fallait. J'essaie de regarder où je suis, mais je crois que j'ai pas été là la dernière fois. Peut-être que c'était. Vous ne pouvez pas entrer. Ok. Hop, lui il est mort, il ne fait plus chier. Par là. Qu'y a-t-il? Ah oui, j'ai perdu la main. J'ai combien en vie? J'ai pas mal.
Donc on est sorti là. Par là, il y a deux tissus. Par là, on va lancer la mort. C'est mieux là-bas. C'est une diode pour les gens. Rendez-vous immédiatement. Ça. Voilà. Hop. Là, j'ai peur d'être vraiment perdu en fait. Ah, c'est un ascenseur ça. On va aller vite fait vérifier là-bas. Par ici, de l'autre côté en fait. Hop. Ah, bah y'a pas d'autre côté. Qu'est-ce que j'ai raconté de la merde. On peut pas y aller là. Bon bah non, c'est bon. On peut aller là-bas. Je vais aller par là, c'est ça. Ouais. Hop, on va prendre l'ascenseur. Peut-être finalement rentrer. Je vais y aller là-dedans. Sérieux, non mais vision nocturne, je sais plus quelle touche c'est. Je ne sais plus la touche des visions nocturnes, échappe. Configuration. Je sais pas là-dedans. Ok. Retour au jeu. Ah, c'est quoi ces lunettes? J'ai vu. Agent gendarme. Ouais, c'est pas pratique si on n'a plus de. Oh! D'accord, mais comment je. Ah, d'accord. J'étais en train de me dire, ouais, c'est cool, je. Je démonte la carte, mais. Bon, ça va pas m'aider de la regarder comme ça. On va. Voilà, on va se laisser comme ça. Comme elle était avant. Mais les visions nocturnes, je sais pas où c'est. J'ai juste fait tous les boutons là. Ouais, c'est bon. Ah non, non, je suis donné. Nous n'avons pas de vision nocturne apparemment. Ou alors je les trouve vraiment plein, c'est étrange. Non, il n'y a pas. Pas ça, pas ça, pas ça, celui-là. Ah mais non, mais c'est chiant. Ça va pas là. Ça va pas du tout. Il est faux, absolument, ces visions. Je sais qu'on les a, comment je les ai. Ah. On peut pas refaire une mission sans vision nocturne. Non. Ah oui. Ah, ça doit être dans les F et tout. C'est quoi ça du coup? Ah. Infiltré, je connaissais même pas ce menu, je crois. Si je l'ai gardé. Il est à comment on les met? Comment on les met? Ça suffit. Ouais, c'est F. Puis des instants, truc là, ça doit être F. Donc là, c'était F1. Ah voilà. Donc c'est F2. Tout simplement. On va rééquiper notre arme. Voilà. On va appuyer sur F2. Et voilà. Et là on est bloqué parce qu'il y a une porte sur ces portes. Comment on ouvre les portes? Ah voilà. Donc je ne sais pas comment je. Ah non, on est revenu. D'accord. Il y a un passage secret. Ok. Ah bah oui, parce que j'étais tombé quand même. Et je pouvais pas monter. Donc c'est parfait. On va faire la même chose mais sans tomber cette fois. Là, c'est là. Hop. Et voilà, on est pas tombé. Les gars, on est pas tombé, mais je viens. Donc on est caché par là. T'es où? Wouh. Pardon. C'est juste que j'ai senti que mon corps tombait. Alors là on peut se aller par là. Ils vont tout seul en fait.
Ah mais là je vais me perdre. Chargez vos blasters au maximum. Attends. Je retourne. Ah attends. Faut que je retourne. Ah merde. Je vais peut-être mourir. Je sais pas où je vais aller. Non c'est pas grave. Voilà. Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose par là-bas? D'abord là, c'est peut-être une mauvaise décision, hein. Peut-être que j'ai un peu de mon objectif. Mais peut-être pas. Peut-être que ça mène où je dois. Waouh, d'accord, voilà la partie. Ultra gardée. Je vois les ennemis en bas. Donc on va reprendre de. Ah. C'est le vide. C'était le vide. Tac, je peux juste comme cela. Voilà. Oui, c'est là que j'avais sauté. C'est tendu. Hop, donc là ça monte tout seul. Voilà. On ira à la porte plus tard, je pense que de toute façon on va y arriver quand il arrive. Là on a l'air de s'infiltrer. Oh. Ah c'est bon. Voilà, c'est bon. J'ai du mal à tuer. Là c'est 58 de bouclier et tu vois du bouclier. On est bien. J'essaie de voir si c'est un mur ou pas. C'est vraiment galère. Hop. Est-ce qu'on veut pas foncer là-dedans? Parce que autour, je crois que y a rien. Non, y a rien. On va aller là-dedans. Ok. L'aération, ça se pose aussi. Ah, faire les lunettes. F2. C'est quoi cette merde? Alors... C'est bon, morte. Si on va là-bas, je vois pas... Ah si on va là-bas. Donc là on est ressorti je ne sais où, mais il y avait une autre issue. Hein. Pourquoi je ne peux pas tirer là-dessus? Ah voilà quand même. Putain j'ai pris trop cher. J'ai pris juste trop cher. Ça m'a l'air d'être là-dedans. Je n'ai pas la clé. Si. J'ai vu comment on ouvre. Tout à l'heure j'ai fait. Non. Ça doit être E ou un truc du genre. F. Non, non, on doit juste pas avoir la clé. Il faudrait la clé qui doit se mettre. Ça reste ouvert un moment. On doit rentrer dans la base. On doit être bien.
tuer. On a réussi à la tuer. C'est un petit peu galère. Hein. À tuer les. C'est quoi qui va tirer dessus là encore? J'ai plus de vie du tout. Je suis dans la merde. Non, putain, j'ai tué, je suis mort. Où est-ce qu'on va réapparaître? Elles font trop mal. Si, cool. Bon checkpoint. Checkpoint parfait. Ah bah c'est bien, on a récupéré. Ils sont morts. Ils sont restés morts. Alors là, ça nous mène où? Qu'est-ce que cet endroit? C'est quoi ça? 10 cellules d'énergie. Non, ça ne mène à rien. Je ne sais pas à quoi ça sert. On va aller par là. Pourquoi ça nous explique? C'est une violence. Unité d'énergie. Perdu, hein, c'est quoi ça? Oh, c'est tellement galère. Il y a un code à rentrer. S'il y a un code à rentrer, je suis pas dans la merde. Je suis pas dans la merde. Qu'est-ce que ça peut être bien? Ça peut bien être, je veux dire. Oh là là, je suis perdu. C'est combien? Le voilà. Où est-ce qu'on est? Toi, approche-toi. Que je suis des endroits que j'ai pas du tout vérifié. Ça mène nulle part. Waouh! D'accord, rien. Voilà. Oui, c'est une violation des lois, je sais, tout le monde, c'est pas bien. Donc là, on est plutôt pas mal. Plus il y a d'ennemis, c'est-à-dire que on doit être sur le bon chemin. Sur le bon chemin. Quoique, il n'y a plus rien.
J'ai trouvé des indices. Les indices après tout, quand tu zappes ta manchou, pas de Scooby-Doo. Pardon. Ah! Ah, qu'est-ce que je fais? Et je fais quelque chose d'intéressant. Je ne sais pas. J'ai activé quelque chose. Quelque chose que je n'aurais peut-être pas dû activer. Donc on verra tout à l'heure. C'était le système de. Explosion de la sécurité. Là, il n'y a rien, on est d'accord. Ça non plus, c'est rien du tout. Là, je ne vais pas plonger. Là, je ne vais pas plonger dans ce vide. Je sais pas ce qu'il y a. Ah! Là je m'en ai pas vu. C'est de ferme. Oh! Waouh waouh waouh, attends, y'a un truc là bizarre qui me tire dessus. Pourquoi ça meurt pas cette merde? Et bah putain, j'ai plus de vie. Et franchement le... Pour toucher c'est juste infâme. C'est pas une femme, c'est une femme. Je sais pas comment décrire. Stop. Ah bah oui, c'est ça. Je suis en train de me demander comment je pourrais le tuer. Alors ça va me recharger. Parce que là j'ai mis la carte, hein, mais je suis perdu. Honnêtement. Comment tu veux le jeu? Voilà. Même avec la carte, je dois avouer que c'est en axe que sur le verre. J'avais dit que je vais faire ça. Voilà, donc on va par ici. Parce que ce qui est ça, hop, ensuite par là, le petit monsieur. Parce qu'on s'est pas visé du tout. Là y'a rien. Rien. Ah, attends, hop, peut-être un indice. Peut-être une origine. Non. C'est juste qu'on a ouvert une porte. On a ouvert une porte, c'est très intéressant de faire des portes. Ça enregistrait votre manœuvre. Voilà, hop. Eux, c'est ceux qu'on a vu tout à l'heure en bas. Ouais, on les avait tous vus. Et un ascenseur. D'accord, on avait moyen de s'en monter là. Ah, je me suis fait mal. Merci l'ascenseur qui descend tout seul. Oh, wow. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça... Je pense qu'il n'y a plus rien. Je vais vérifier là. Là, il n'y a que ça activé. Honnêtement, si ça m'ouvre ici, c'est peut-être que je dois repartir par là. Ça, ça s'ouvre, non? C'est une grosse porte. On va aller par là. Il y a du vent en fait. Non, il y a une...
plateforme de perdre. C'est pas les villes, mais je sais pas ici. Non, pas ta ligne. Est-ce que ça nous mènerait à quelque chose de revenir ici? On n'a pas ramassé les. Attends, je vais regarder juste. Là, je vais appuyer sur la fin. Ça se trouve, on a rempli la mission et j'avais même pas vu. Ça serait possible. Infiltrer la manière, ramasser les échantillons de métaux. Ça se fait 0%. Ah, c'est quoi ça? Clé 5, ah, c'était marqué dessus, c'est ça la solution! Et merde, vous faut y retourner. Je savais pas qu'on avait ramassé une clé. Hop. 3 delta et D, c'est ça? Mince. 3 delta D. Ah, il faut y retourner. Il faut y retourner. Qui me dirait-tu là? Personne. Personne, personne. Voilà, un peu on vient de là. Mais pour retrouver du coup cet endroit de la mort, c'est extrêmement dur. Je pense que c'était assez loin. Je ne saurais pas le retrouver là. Déjà, c'est forcément pas là. Ah, dire qu'on y était, je le seum. Tac, 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 là, y a quoi? C'est un vrai labyrinthe. Véritablement. Un vrai labyrinthe. Par là, je suis pas allé. Hein. Tirez-lui dessus! Je vais voir parce qu'il y a peut-être un truc à récupérer. Un truc sympa. Ah, j'ai déjà fait cette mission. Je m'en rappelle. Il était venu là. Qu'y a-t-il ici d'intéressant? Je me demande. Ah, il est mort. Est-ce qu'il y aurait pas juste... Ah non, il y a peut-être les... Ah, ça... ah j'ai dû me faire tirer dessus par eux en fait tout à l'heure. C'est quoi cette arme? Ayons plus d'informations sur nos armes. Un fusil à répétition, d'accord. Bon regardez, on va tester. Je suis pas sûr de son efficacité. Ok, ça c'est bon. Donc on a vérifié par là. Il n'y avait rien activé. On va vérifier cette autre porte. D'accord, du coup il est mort. C'est pas mal. Il y avait juste ça là? Un mec dans une salle tout seul? D'accord. Très bien, très bien. Très bien. Très bien. Alors, donc on a dit qu'on est par là, donc il faut aller par là. Je l'avais observé, mais un petit peu par hasard, je crois. Ah, ça doit être grave. On est full rempli, genre. Est-ce que tu m'avoues, on a le bouclier. J'espère que j'ai pas raté. Ce serait possible. Là, on était déjà venu, il y avait rien à faire. Je crois qu'on est pas loin. On va pas être loin. C'est la salle bizarre vide. Là pareil. Rien. C'est notre temps. Donc on va être trop en arrière. Ah là 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 là. Je dis que c'est la biologique. Je crois que c'est la porte qui est. Ça c'est celle-là.
où est-ce qu'on est allé là? Est-ce qu'on revient trop en arrière ou pas? Je ne sais pas. Oh, j'ai pas de souvenir de qu'elle était si loin que ça quand même. Je fais peut-être une connerie. Là, on n'était pas allé. On a récupéré les lunettes à frappe. Non. On récupère plein de trucs en tout cas. Là on se met bien. Vie supplémentaire. Ou bouclier, on est full. On reviendra là si on a besoin. Ok, donc là c'était un petit peu dedans. À gauche là. Voilà, c'est par là. Ce serait par là. Et après. Mais c'était un trou ça, c'était juste un trou. Ah là là, ça mène nulle part. Donc c'était pas par là, et là, à mon avis c'était avant là. Truc là, notre porte mystérieuse, on va revérifier, on va tout observer là. Donc là faut obligatoirement y ouvrir comme ça. Notre solution, hop, on va courir. Là. Rien. Ah là 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 là, elle est où cette porte? Ah, c'était là. Ah, donc on a dit dit quoi? Delta 3. On avait dit 3 Delta D. Mince. Ah, 3 Delta D. Non, c'est pas ça. 3 delta D, si c'est ça, clé 5. C'est bon. Ah, faut peut-être l'équiper. 3 delta D. Ah non, c'est pas delta. C'est l'autre truc. Autant pour moi. C'est pas ce delta, c'est. Ah. C'est celui-ci. Voilà. Arrête-toi, maudit rebelle. Il est mort. Là, on peut. Ah, c'est pour activer la porte de l'extérieur. Ok, ok. Qu'est-ce que ça? C'est ça? Ah, est-ce qu'on irait par là ou... Vous ne pouvez pas l'enlever. Ah, deux coups, ça a été. C'est vraiment trop bien. On ne peut pas avancer, c'est ça? Mais si, on va avancer quand même. D'accord. Ouais, je peux peut-être pas avancer, t'as peut-être raison. Ça ne fait rien.
Ok, donc voilà. Aller par là, à mon avis, il y a des passerelles à. Genre à déverrouiller. Il va prendre lui. Putain, je dépense plus de munitions. Pas bon. Tout ça activé, mais comment je vais faire moi? Ça, parce qu'il faut des passerelles, c'est obligé. On va bien développer ça. Parce que là, je peux pas. Hein. J'ai pas encore envie. Personne. Ah bah là-haut il y a un truc. Il y a un truc centralisé, j'ai l'impression. Je crois qu'on tombe juste. Il y a une toile là-haut. Hein. Alors, on va juste. Qui dépense le moins. Voilà. C'est bien, merci. Hop. On va prendre notre arme pétée. Voilà. Hop, on ramasse un petit peu de l'autre. Chargez vos blasters, on va chercher. Hop. On devrait tirer au lieu de poser. Ça te serait un peu magnifique. Alors donc je viens de là, il n'y a que ça activé là, c'est tout. Ce serait tout, hein. Ah. Alors. Ça, ça me fait quoi? D'accord. Oh punaise. Non, ça ne fait pas bien. Non plus. Déjà le premier accès il était fun en fait. Si on pouvait revenir. Elle remonte entièrement. Ah ça c'est cool. Oui c'est là qu'on voudrait aller en fait. Donc si machin doit être vers moi. Si c'est possible. Ah ah, bah non! Mais pas vrai, il y a un truc en haut là! C'est où? Où c'est? Miséricorde! Ah, ça doit être par là. En haut, hein! Alors on va descendre. Ça va être possible, hein! Peut-être ça va le baisser tout à l'heure. Ouais. Je sais pas comment elle est là. Hein. Cette porte, je n'ai aucune idée d'où elle est. Là, ça ne met pas sur le plan. Ça ne met une porte là. Une porte là. Cette porte s'ouvre pas. Hein. Je sais pas comment elle s'ouvre. Bref. Donc, on va commencer par activer ça. Il faut le baisser. Et ensuite, il faut l'orienter. Il faut l'orienter par là d'abord. Voilà. Donc là, on peut y aller. On peut y aller, on peut y aller. Ah! Hop, c'est parti, on recourt. On court, on court, on court, on court. Voilà la première part. Qui est là normalement? On l'a bien mis. Ici. Attention à pas tomber. Ouais, c'est bon, on l'a mis là. On a activé le truc. Ensuite, on va retourner là-bas. Il faut le rebaisser d'un cran et le retourner.
tourner et on le baisse d'un cran. Voilà. On descend en bas pour refaire la même chose. Hop. Là. Hop. On active ça. Ça se trouve, ça sert juste à ouvrir la petite porte. Normalement, on le tourne et qu'on le descend. Voilà. Et nous, on y va pour l'activer. Une porte, deux portes, trois portes. Hop. Voilà. Donc on a utilisé quelque chose de magique là. J'espère que c'est la porte qui est en haut. Je vois pas d'autres possibilités de toute façon. Ah oui, elle est désactivée, on le voit sur la carte. Il n'y a plus une petite chose. Ouais, elle est ouverte. C'est parfait. Donc là, on va rediriger vers nous et on va redescendre. Tout simplement. Très bien. Parfaitement se coller là. C'est magique. C'est la technologie. Et là on ramasse les alliages. C'est un métal qui m'a l'air intéressant. Je pense qu'on pourra en tirer. Super. Qu'est-ce qu'il nous fallait? Sortons d'ici, je me sens nerveuse. Non, t'es remonté. Je vais mourir si je saute. C'est quoi ce truc de merde? Allez, go. Quand on voit. C'est bon, ça fait mal. Ça m'enlève de la vie cette merde. Putain, mais pourquoi je suis là-dedans? Ah là 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 là. Ok. Ça m'enlève de la vie en plus, même pas du bouclier. Bon alors, tac. Comment on ressort maintenant? Parce que là c'est bon, on a rempli la mission de... Et voilà. D'infiltrer la base pour retourner sur les pistes d'atterrissage. Metal Flex. Yep. Donc la piste d'atterrissage, je ne sais plus où. Hop. On va tenter. Est-ce qu'on peut. Par là, non, ça ne donne rien, donc on va aller par là. Tac, là, je me dirige qu'avec la map. Ce bourbier. Je sais pas si on se parle. Comment je faisais tout à l'heure? Comment je fais ça? Ça. Comment je fais ça? C'est bon. Ah. Ouais. Bon, on est sur la bonne voie, je crois. Faut juste faire tout ça. Ok. Ah, voilà. Donc c'est parti mon kiki. C'est sûr qu'il n'y a pas d'autres portes, hein. Non. Et donc c'est par ici. C'est pas une porte ça? C'est marqué que c'est une porte. On sent le bonsoir. C'est pas par là. C'est là, ok. Et là, là il y a la porte qui est centrale. Moi je pars là. Hop, espérons ne pas mourir en chemin. Est-ce que je passe par là? Ça mène à rien de ça. On passe là. On peut prendre le petit ascenseur. C'est magnifique.
Ah. Et là, je tombe. Tac, tac, tac. Combien de... Ah non, c'est bon. Les liens sont soulevés. J'ai les deux chemins, c'est toujours le plus mauvais. Et voilà. Cool. J'ai pas de génial. Échappe pour finir la mission. Ouais. On a réussi. On trouve pas. Échappe. Mission suivante. Bon bah voilà, on a réussi Fatos là où je sais pas quoi, je sais plus quel est le nom de cette mission, Fatima, je sais pas. Donc je vous dis à la prochaine, pour le prochain épisode, tout simplement. Adios.